Vous savez, on se regarde toujours et on se discute tout le temps. Je voudrais tout simplement dire, ma Cindy, dire que maman qui est partie, maman, la grand-mère qui est partie il y a peu de temps, avait confié à maman Claudette. La première fois que maman Claudette est venue la voir, elle lui a confié une seule chose. Prends soin de mes enfants. Je suis sûr qu'elle avait compris que Claudette allait faire déléguer cette mission-là à Ghislain. Oui. Quand il dit prends soin de mes, quand elle dit prends soin de mes enfants, ça veut dire que mes enfants, c'est Cindy, c'est Gabriel, c'est tous ceux qui viendront après. Il faut prendre soin. Et la transition, c'est Claudette qui va la faire. Elle va te déléguer la mission, Ghislain. Voilà. Donc tu as une charge énorme. Et puis à toi, ma Cindy, ça ne viendra naturellement que si tu sais y faire, si tu sais lui rendre sa courtoisie, si tu sais lui rendre sa gentillesse, si tu sais lui rendre son amour, tu viendras à point. Poser aujourd'hui Cindy, ça représente pour moi un accomplissement finalement de notre parcours, de notre long parcours ensemble. C'est un accomplissement de notre amour, c'est une manière effectivement d'officialiser ce qu'on ressent l'un pour l'autre devant Dieu et devant les hommes. Donc c'est quelque chose, c'est un engagement fort, ça représente vraiment un engagement fort pour moi que je compte honorer tout au long de notre parcours ensemble. Wilfried, le fait de t'épouser aujourd'hui, ça représente le plus bel aboutissement dans ma vie. Pour l'instant, j'ai que 30 ans. Parce que je pense qu'on a passé de belles années ensemble, on a appris à bien se connaître. Donc on sait où on va, on est sûr de notre chemin, on sait que de toute façon on a les mêmes valeurs, on sait qu'on a des, on sait être amis, on sait être ensemble, on sait se soutenir. Donc aujourd'hui c'est un aboutissement et je le fais avec beaucoup de sérénité en fait, parce qu'on a pris vraiment le temps de vivre ensemble tout simplement, donc on sait où on va. Moi je sens. Et je vous promets de rester fidèle dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, et vivre le bonheur. Merci, je vous remercie. Et je te promets de rester fidèle dans le bonheur et dans la santé et dans la maladie, et c'est tout le monde. Alors Wilfried, tu te promets d'être ta partenaire avec un grand P, c'est-à-dire j'essaierai d'être tout ce dont tu as besoin à tout moment de ta vie. Ça peut être une femme, ça peut être une meilleure amie, ça peut être autre chose. Je te soutiendrai dans tous les moments, je t'aiderai à atteindre tes plus grands rêves. Je ferai tout pour y participer également, je prendrai soin de toi. Et j'essaierai d'injecter beaucoup de joie, c'est presque un peu de folie dans ta vie. Voilà. I've been looking around and seeing now. Watching and around and feeling good. Bon là, je te jure, fait, je pète un cap. Sans aucun doute, la goutte de ma life.
Yeah. I know what you think. Loving the girl like this, it's nothing but good for me. Yeah, I try, but she's so hard to put. I got you. This ain't a lie, yo. Girl, I'm losing my mind, no. She ain't in Photoshop. She looks like some makeup. She's got a passion. I'm making me get lucky. Baby, for you, I'll be working so hard. You'll be my queen, you will get all you want. Oh, I'll go out chatting ladies no more. Go out pigeon with my homies no more. Spending some time with you, I want more. Ever since I taste your love, I want more. Cindy et Papou, vous avez pris une décision très grave. Vous avez pris une décision très grave parce que le mariage est une chose très importante, aussi bien aux yeux des hommes que de Dieu, qu'on ne saurait le réduire à un contrat à durée déterminée. Aujourd'hui, où ça bouge, où le monde change, vous avez quand même pris la décision, cette décision difficile, une décision définitive de cheminer ensemble. S'il est facile d'allumer la flamme de l'amour, maintenir cette flamme vive est une autre paire de manches. Mais pour cela, sachez que Dieu vous accompagne le long de votre chemin. Alors, Cindy, ce qui m'a séduit chez toi, effectivement, c'est... Bon, je vais faire un peu d'histoire, tiens. C'est que moi, je t'ai connu à l'anniversaire de ta cousine. Tu étais censé un peu distribuer les gâteaux à ceux qui étaient. Et tu as distribué les gâteaux à tout le monde. Et à un moment, tu t'es arrêté vers moi. Et là, je t'ai interpellé. Et je t'ai dit, mais pourquoi tu donnes les gâteaux à tout le monde et pas à moi? Et là, tu t'es mis à sourire. Tu m'as dit, non, mais il y en aura pour tout le monde. Et tu m'as donné une part de gâteau. Et c'est à partir de là, effectivement, qu'on a commencé à discuter, on s'est échangé les numéros et par la suite, on s'est revus. Et en fait, ce qui m'a séduit tout de suite, c'est qu'au fil des fois où on se voyait, tout de suite, je voyais que tu étais quelqu'un qui donnait beaucoup d'amour, en fait. Moi, je pense que j'avais jamais ressenti ça ou j'avais jamais vu ça, en tout cas. Et ça correspondait vraiment à ce que moi, c'est vraiment ça qui m'a saisi tout de suite, c'est que effectivement dès le départ, tu as su me donner, me prouver beaucoup d'amour. Et j'ai su que je ne m'étais pas trompé. Alors, Wilfried, ma première rencontre avec toi, ce qui m'a marqué, c'est que je ne m'attendais absolument pas à te rencontrer. Bon, tu connais l'histoire, hein, j'étais pas du tout, j'étais pas venue pour rencontrer des gens à la base. Et puis, je t'ai trouvé très imbue de ta personne. Donc, si tu veux, après cette soirée, pour moi, c'était pas censé continuer. Mais à la première rencontre que tous les deux, voilà, ça m'a achevé. Quel pays a la deuxième plus grosse industrie du cinéma au monde? Alors, ce que je te promets, Cindy, c'est de t'aimer, te chérir, être à tes côtés, être présent. Élever notre fils et potentiellement nos futurs enfants
dans un cadre d'amour et de paix. Je compte toujours être à tes côtés, t'être fidèle et te soutenir dans tout ce qu'on entreprendra. Nakusi bebango jita Omuwaso mwadu talongoni Keka sona nenene Anonimu na wo Yorubu nyabo Na keke dimbe ya wado Oui, je pense qu'il m'a marqué chez toi sur ces 12 années qu'on a passées ensemble. C'est que je te trouve d'une très grande maturité en fait. Tu finis toujours par prendre les bonnes décisions, par bien réfléchir. Enfin, tu mènes ta barque, tu mènes ton couple aussi. Et quelque part, c'était agréable de m'être laissé porter en fait par toi, par tes choix, par la vision que tu avais de la vie. Et je t'ai tout simplement suivi et je suis très contente de là où je suis grâce à toi. Voilà. Nothing.
qu'est-ce que tu en penses du mariage de papa et maman? J'en pense... très joli.